Bonjour et bienvenue. Vous nous avez participé donc aux webconférences de l'ANDAS. Je vous laisse vous présenter. Donc Isabelle Edouard, chef de projet au Conseil général de la Somme. Je suis sur des projets transverses et notamment l'évaluation externe. Jean-Claude Plassiard, conseiller formateur dans les politiques sociales et en même temps ancien DGA du Conseil général de la Somme. Très bien, merci. Donc il était question des traitements d'évaluation externe. Les trois départements ont collaboré. C'est une démarche qui est à la pointe en termes de politique sociale. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? L'objectif était de mutualiser les compétences pour répondre à une obligation légale, mais qui doit aussi être dynamique et avoir du sens. Donc on a travaillé ensemble au niveau des CG avec l'ARS pour proposer à nos équipes des outils de traitement des évaluations externes. Vous, Monsieur Plassière, qui suivez ce projet de près ? L'objectif, en fin de compte, c'était de rebondir sur l'intérêt de la démarche d'évaluation externe pour améliorer la qualité en permanence dans les établissements et en particulier coproduire avec l'ensemble des départements une réponse intelligente, constructive et qui tienne compte en tout cas des besoins des usagers. Très bien. Merci en tout cas de votre participation qui a été très suivie et sera sûrement très regardée. Et merci pour votre participation aux webconférences de l'ANDAS. Merci. Merci. Cette interview a été réalisée dans le cadre d'une intervention. Retrouvez la webconférence en intégralité sur communauté.idealconnaissance.com.